En parlant de sélection, aujourd'hui, je sais que Vahid Halilhodžić était là-bas hein, pour la finale. Je voudrais savoir quels sont les rapports qu'il a avec Vahid Halilhodžić. Et puis un peu, et maintenant, j'allais dire, hein, j'ai vu ses dernières déclarations, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester avec cette équipe-là? Ou alors il a envie, mettant d'un nouveau challenge? Et ça, c'est vraiment l'interrogation qui me vient à l'esprit en ce moment. Ouais, effectivement, le coach Wahid a fait le déplacement lors de la demi-finale et la finale. Et puis, il a salué les joueurs, surtout après à Yaoundé, donc après avoir gagné le Cameroun. Et puis, je crois que son discours a été très, très positif en encourageant les joueurs. Et puis, il a mentionné, il a signalé qu'il a été intéressé par le rendement de pas mal de joueurs. D'ailleurs, la liste qui est sortie, je crois, hier, j'avais constaté, je crois, la présence de 7-8 joueurs qui faisaient partie de notre sélection nationale. Donc, c'est une moi, je suis très satisfait que 7-8 joueurs font partie de cette première liste. Et puis, moi, je respecte Wahid parce que c'est le technicien, c'est le premier technicien responsable des équipes nationales. Et puis, nous, techniciens appartenant à la DT, nous travaillons pour l'équipe première. Et puis, je souhaite que du bien pour la première équipe.